Bonjour, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, mais qui pourrait... C'est un petit clin d'œil en fait à ma Sissi de la chaîne Écria de Sissi. Alors, le bouquin ici, c'est elle qui l'a montré sur sa chaîne. Je l'avais déjà vu sur d'autres vidéos, mais quand j'ai vu qu'elle la mettait elle... Eh bien, ça m'a tenté, donc je l'ai commandé. C'est un livre d'Isabelle Kersetian et ça s'appelle Ma poupée au crochet. C'est un très, très, très chouette petit livre. Il est joliment illustré. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de photos. Il y a les descriptions manuscrite, c'est une très jolie écriture, et puis imprimé bien sûr. Donc voilà, il y a toutes les petites poupées, il y a la petite valisette, il y a le lit, il y a le pyjama avec la Charlotte, le petit doudou, là le petit doudou. C'est très chouette à faire, ça ne dure pas très très longtemps. Bon, il faut s'y connaître un petit peu en crochet, bien sûr, mais voilà. Et je vous mettrai le lien en dessous de ma vidéo, parce que j'ai trouvé une vidéo qui expliquait comment faire la petite poupée de base. Voilà, alors il y a d'autres vêtements, il y a la piscine, il y a la pluie. Ah, il y a vraiment beaucoup à la campagne avec la petite salopette. Voilà, à l'école, avec même pour faire le petit cartable. Enfin bon, c'est adorable. Franchement, c'est mignon comme tout. C'est super bien expliqué. On s'y connaît un petit peu en crochet. Il faut quand même quelques petites bases, mais... Sinon, ben voilà, le petit chaperon rouge, les petites culottes, les petits chaussons, les techniques, le nombre de crochets, la laine qui est conseillée, mais ça, chacun fait un peu comme il veut. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors du coup, j'ai fait ça pour m'amuser, pour faire plaisir à ma petite fille Céleste. Et pour moi aussi, hein, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer, j'en ai déjà fait deux ou trois. Donc, la première se présente comme ceci. Alors, Sissi, voilà, la petite copine de ta Cristal. Je ne sais pas encore comment on va l'appeler parce qu'elle va partir chez ma petite fille Céleste. Donc, je ne sais pas comment elle va l'appeler. Elle a des petits cheveux, une petite frange, des petites taches de rousseur. De dos, ça donne ça. Voilà, elle a son petit pull, son petit pantalon et des petits souliers, des petites baskets brunes. Voilà, elle a les petits bras. Parce que j'ai mis du fil de fer à l'intérieur. Vous savez, c'est même pas le fil de fer, c'est les fameux chenilles, la cure-pipe. J'ai mis ça à l'intérieur, donc ça lui permet de modeler un peu comme elle veut. Donc voilà. Voilà, Cristal, si ta prochaine petite copine, sauf que ma petite maman, ma future maman, me prendra sûrement au mois de mars ou avril, donc voilà, bisous. Alors, ah ben elle a déjà perdu sa petite chaussure du coup. Alors il y en a une autre parce que ma petite fille Céleste, je ne sais pas ce qu'elles ont ces petites filles là, mais elles veulent absolument des petites poupées avec des cheveux bleus, je ne sais pas pourquoi. Donc, je lui en ai fait une avec des cheveux bleus. Alors, voilà. Une fameuse tignasse, hein, avec ses longues mèches comme ça. Voilà.
Elle, je lui ai fait des petits yeux, forcément des petits yeux bleus. Elle a une petite frange aussi. Elle a des petites taches de rousseur bleue, n'est-ce pas? Puisque, voilà. Elle a un petit pull jaune, une petite salopette bleue et des petites chaussettes blanches. Pour le moment, je ne lui ai pas encore fait de chaussures. Ça va venir. Donc, voilà la deuxième. Petite copine à Tristan de Sissi, mais qui partira aussi. Donc, amie virtuelle, mais bisous, on se verra plus beaucoup. Et j'en ai fait une troisième qui n'a pas encore de vêtements. Voilà. Celle-là, elle a des longs cheveux, mais on peut en faire des tresses, on peut en faire des queues de cheval, on peut en faire des nattes. Elle a également une petite frange. Elle a des petits sourcils, elle a ses petites joues grosses comme les autres. Et voilà, ses petits bras qui se modulent aussi. Ses petites jambes qui se modulent aussi. Et voilà. Mais celle-ci, je la garderai probablement pour moi, quoique ce sera peut-être pour Céleste aussi. Mais bon, elle en a déjà deux qui vont partir en mars ou en avril. Et voilà. Donc ça sera peut-être plutôt une petite copine à Cristal de chez Sissi. Hello! Une petite amie virtuelle. Mais elle n'a pas encore de vêtements. Ça va venir aussi. Mais voilà. Donc il y a celle-là. La petite rousse. Enfin, rousse. Blonde rousse, je ne sais pas. Donc il y a celle-ci qui est un petit peu châtain. Celle-ci qui est plutôt rousse, elle a déjà ses vêtements. Hein. Voilà. Et la troisième, ben, la petite bleuette, là, avec sa tignasse. Elle a une tignasse pas possible. Elle a des petites joues roses, elle a des petites taches bleues. Et voilà. Voilà, avec sa petite, son petit pull. Je ne sais pas si vous les voyez bien comme ça. Et une fameuse tignasse. Oh là là. Pour faire ça, ça prend un sacré temps. Voilà le dos de sa chère petite tignasse. Sa salopette. Et voilà. Sa petite frange. Donc voilà. Voilà les trois filles pour le moment. Celle-là, je ne sais pas, elle restera peut-être chez moi ou pas, avec ses longs tifles, voilà. Mais c'est bien parce qu'on peut les faire, voilà, on peut rapprocher les yeux, on peut écarter les yeux, on peut faire comme on le sent. Vous voyez, c'est déjà celle-ci, n'a déjà pas le même visage que celle-ci, parce que celle-ci a les yeux plus écartée. Et puis hein, la petite troisième là, avec ses petits cheveux aussi, une petite frange, ses petits cheveux châtains, roux, un peu plus roux, ses petites taches de rousseur. Elle, je lui ai fait des petites taches bleues. Voilà. Et voilà. Elles sont comiques comme tout. C'est assez facile à faire. Mais le problème, j'ai fait les petits vêtements avec la même laine, avec le même coton, le même crochet. Et je crois que pour la facilité de les habiller, je devrais faire peut-être la même laine, mais un crochet un petit peu plus grand pour pouvoir mieux les habiller parce que c'est pas évident du tout. Et bien voilà, si, j'espère que bon, tu as vu ces trois petites là pour commencer. Voilà. Et celle-ci, ben celle-ci que je dois encore faire ses petits vêtements et tout et tout et tout. Voilà.
Alors les miennes, elles font 26 cm de haut, je crois, quelque chose dans le genre. Voilà, alors on peut faire les jambes plus longues, plus courtes, les bras plus longs, plus courts. Voilà. Eh bien, voilà, petit clin d'œil à Sissi et à d'autres. Amusez-vous bien à les faire. Je vais vous mettre le petit lien de la vidéo où j'ai vu comment les crocheter, les petites poupées de base. Et puis d'après ça, chacune fait un peu comme elle veut. Voilà. Je vous souhaite un beau week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis amusez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.